Ça permettait de passer la toune, qu'on savait pas que c'est faire avec ça. Faire découvrir des tounes qui fitaient pas dans le moule de cet album-là. Une belle surprise qui faisait jaser, c'était comme graver un coup de théâtre. Monsieur Spotify, aidez-moi avec ça. Pépé me dit que ma tune punk, ben lui, elle cacherait sur l'album. J'ai dit, ben oui, mon chum, c'est une bonne idée, m'en en faire une tune cachée. Mais la ben y pensait, ou si tu veux que je la mette, c'est à eux qu'on fait plus de records. Monsieur Spotify, oublie-y une place en quelque part. J'ose des redevances, m'en oublier la toune cachée. On est rendu d'un monde virtuel, à cette heure la musique est dans le cloud. Mais commence à être gros, pas mal le nuage, il va tomber tout un orage. Monsieur Spotify, pas celle dont je suis le plus fier, mais ça me tentait quand même de la faire. Cette toune-là, c'est pour les fans particuliers qui n'ont pas peur de sortir des sentiers, puis qui nous jugent pas parce qu'on part sur une chire, mais qui nous suivent dans nos délires. C'est pas une chanson pour tout le monde, c'est pas un hit, mais après un silence de 45 secondes, tu pognes un trip. J'aurais voulu la cacher quelque part pour qu'on la retrouve comme un trésor, mais avec Spotify pis toutes les tunes cachées, c'est mort. Qu'est-ce qu'on va faire avec la toune cachée? Est-ce à eux que le disque est mort? Mais si je Spotify,